Bonjour à tous, c'est Jen Tetsuya et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Enshrouded. Nous avons atteint le 15e épisode et notre mission, nous partons d'une cabane abandonnée au milieu de la forêt pour pouvoir protéger la fermière. Enfin, on la protège pas vraiment puisqu'elle est enfermée dans un espèce de truc protecteur. Eh, on peut avoir un bouquin. Oh, j'ai pas envie de faire les trois autres. Du coup, on va modifier la quête sur notre journal. Ah, 40 mètres. Genre, elle est vraiment à côté. Dans le dernier épisode, on a cherché pendant un moment à aller sur la tombe de la reine. Mais en fait, elle est sur une montagne énorme. Et on n'arrivait pas à l'atteindre. Du coup, on a atterri ici. Et on s'est rendu compte que la fermière était juste à côté. Donc on va aller chercher la fermière. Niveau combien ce truc? Niveau 11. Me casse! J'ai pas vu. Non, il m'a pas vu. C'est faux! Donc en plus, dans le dernier épisode, on a réussi à trouver l'argile. Donc j'en chope encore quelques petits fragments. Allez voir un peu ce qui se passe derrière pour voir s'il y en a. Non, c'est juste ça. Ok. J'ai essayé d'atteindre le toit. J'ai pas trouvé le passage. Il y a certainement un petit passage secret, mais... Ou alors... Voilà, on peut pas y aller, c'est juste de la déco. C'est des fibres, évidemment. Non, lui, c'était un truc différent. Plante indigo. Emplacement ci-dessous. Faut qu'on monte quand même un petit peu. Et vous, vous êtes aussi des fibres ou on peut vous... C'est des fibres. Hop là. Ah, elle est encore au-dessus. Ça a l'air moins compliqué que la fermière. Des noisettes. Des fraises. De la fibre. On en chope plein de nouveaux trucs. C'est parce qu'on arrive près de la fermière, le... Ah, ça, ça a pas l'air d'être de l'argile, par contre. D'ailleurs, ça ne nous donne absolument rien. C'est peut-être parce qu'elle est prise dans la... Est pris dans la brume, c'est la brume juste à côté, peut-être ça. Oh, il y a des maisons là-bas. Plan de téléportation. Il y a plein de fraises, hein, je vais les choper. On sait jamais, elle pourrait en avoir besoin, la fermière. Une fois qu'on l'aura récupéré. Alors toi, t'es un arbre différent. Est-ce que tu vas donner quelque chose de différent? Genre de la résine ou... Donc, il nous donne de la résine et des bûches habituelles. Oh, il y a un truc qui attaque là-bas. On va pas se diriger vers lui. Nouvelle plante. Du lin. Oh, c'est peut-être pour faire des nouveaux vêtements. Merde, je pensais qu'on montait par là, moi. Je vais essayer de monter par là. Évidemment, il n'a plus d'énergie. Plus 400. Ah, c'est parce que j'ai découvert la crypte des anciens. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Régène-toi. Ma pioche est dans le rouge, là. Je peux plus faire. Ça tombe bien, chemin derrière, et je me casse la tête pour rien.
pouvoir grimper. Non! Comment ça? J'ai réussi à grimper tout à l'heure. Haha! On peut entrer par là? Oui! C'est peut-être pas l'entrée principale. Bon, bah on va faire le chemin depuis l'entrée que nous avons trouvée. Hein, c'est l'entrée à laquelle on a réussi à avancer. On a trouvé la sueur de notre front. Alors, ici, y'a rien. Ici, y'a un coffre. Des potions. J'arrive jamais à les utiliser, les potions. Faudra peut-être que je regarde. Avant de partir en quête. Ah, donc là, j'ai ouvert une porte ou une partie de porte. Et on a un coffre en métal, anneau de santé. Plus 1 régénération de santé et plus 20 de santé. Ah, franchement, là, ça, c'est cool, ça. Personnage, on a quoi comme anneau? 1 endurance, 1 régénération endurance. Et l'autre, c'est quoi? Oui. Le truc de la santé. J'ai pas beaucoup de santé et je suis plutôt pas douée. Ça, c'est pour descendre. Ah. Bah, ce côté-ci, en tout cas, est terminé. Donc, à part sauter dans le vide, y a plus? Genre, j'ai débloqué le truc. Y a plus de pièges. Y aura certainement des pièges de l'autre côté. Yop là. Eh ben, on peut grimper avec ce truc. Donc ça c'est top, on a un endroit pour grimper. On a des endroits pour tomber. Allez hop, j'ai choisi de tomber ici. Oh. En fait, il y avait une entrée en bas. C'est fiché pour rien. Nous, on est arrivé en haut, on a voulu... les maîtres du jeu. D'ailleurs, en allant ici... Ouais, donc là, on peut monter. On va lui descendre par là. Je me serais moins cassé la tête. Là, apparemment, on peut descendre. Voilà. Ah, d'accord. Il faut débloquer 3 trucs. On en a débloqué un de l'autre côté là-bas. De ce côté-là, je n'en ai pas vu. Bon, on va aller vers le bas. On va aller vers toi d'abord. Hop là. Ça ne dit rien qui va aller. Donc c'est certainement par là. Je vais plutôt mettre une épée. Ouh, non, non. On remonte, on remonte. Il y a un coffre en plus là-bas. Ya! Mais c'est impossible! J'ai un truc qui me régène ou quoi? C'est mon anneau! Il a régénération de santé, du coup ça se régénère tout seul! Oh, vraiment, bonne trouvaille.
Et si je fais ça? Non, il tombe trop... Il me tombe trop tôt. C'est forcément en se déplaçant, hein. Déjà, lui, ça, c'est bon. Voilà. C'était juste que je suis pas douée, encore une fois. La 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 la. Oh. C'est quoi ce truc qui tire des missiles? Je vais devoir passer à travers ça. Il est là, je le vois. J'ai eu chaud là. Ya. 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 Oh! Ça peut moins de shot ce truc. Deuxième trouvé. On va grimper. Ah. Ah, ça va. Ça y est, on est revenu dans le vert. Ah, et on est allé en haut de l'autre côté. Ok. Non! Comment ça? J'avais encore plein de vie! Ah. Alors, je comprends pourquoi il y a un point de téléportation. Ah, j'avais peut-être plus d'endurance? Ouh! Mais dites-moi, on n'était pas là tout à l'heure? Si, si, on était là tout à l'heure et on l'a pas vu. Heureusement que c'est un poil intuitif. Hein. Est-ce qu'il va y avoir un boss? Ben. D'accord. Émilie Frey, la fermière. Nouvel emplacement cartographié. Un repère ajouté. Je prends ton livre. C'est pour moi me fabriquer des livres. Ok, je vais voir en haut du coup. Semis d'arbus. Plus 10 autres pépinières. Il y a une porte là-bas. Évidemment. C'est une porte. Forcément. Un cadeau. Un arc long du grognement du loup. Puissance 15. Les arcs longs, ils mettent pas plus de temps pour tirer. Lui, c'est quoi? Un arc du chasseur? Dans les jeux, en général, quand c'est arc du chasseur, pour moi, c'est plus rapide que les arcs longs. Ok, là, on a visité. Est-ce qu'on a visité par là, en bas? Non, mais il y a l'air d'avoir rien. Rien du tout. Et ben on va sortir par l'emplacement principal. J'aurais dû monter par là. Donc journal m'a rajouté des quêtes.
Non, des emplacements en fait. Ouais, bah moi je suis allée là et en fait fallait aller par là. Il y a un puits de puissance là-bas. Puits d'élixir. Pas un truc pour recharger les armes. Est-ce que c'est par là le puits d'élixir? Non, mais il y a des maisons. Comme il y a des maisons, certainement quelque chose d'intéressant. Alors là, il y a un camp. Certainement des ennemis. Alors le niveau des ennemis. On va voir. Campement aride. Ils sont tous morts? Du cas et la faune. Note de campement aride. Alors, c'est un truc de... Ça a l'air d'être assez efficace. Je veux voir ce qu'on a en tuant ce mec. Je suis bien flanqué là. Oh, il y en a un deuxième! Évidemment, il va falloir qu'il y ait un niveau 11. Bon. Il y en a un troisième? Veux voir le loot. Suffit de rester en mouvement avec elle. Sac à poison. Flèche empoisonnée en cuir. Ok, ça nous donne des trucs. Ah, désarmé. Heureusement que j'ai pas été dessus. Heureusement que j'ai pas été dessus. Donc ce campement, c'est fait. Ah bah c'est... Ah c'est un champignon. West Coast. Ah, les guignolos. Là. Attends, attends. Je me suis réveillée avec l'odeur de sang. Putain. Il est pas vraiment content. Oh, une autre. Toujours rien à manger, toujours rien à servir. Des os, des restes et de la soupe avec beaucoup d'eau. Quand allons-nous rencontrer notre faim? Une nouvelle voyageuse est arrivée, affamée, fatiguée. Elle voulait que je laisse les os dans son ragoût. Une colère calme habitait ses yeux, une détermination sauvage, comme une louve affamée. Je lui ai proposé une chambre, mais elle a décliné d'un grognement. Elle a marché dans les bois vers le nord pour dormir sur le sol dur et froid. Une brute, elle fait partie du monde sauvage, quoi qu'il advienne. Sont beaucoup dans ce camp? Ou il y a juste le guignolo qui ne veut pas nous laisser lire la lettre en bas? De toute façon, c'était le chapitre 2. Je me suis réveillée avec l'odeur du sang qui venait de couler. J'ai regardé à l'extérieur de ma fenêtre où un prédateur avait tué deux cerfs. Faille. Sans effort peut-être, mais certainement pas sans douleur. J'ai d'abord crié sous le choc, mais ensuite j'ai pris conscience de la situation. Deux cerfs faille. 8 portions de côte, peut-être 10 ou 12 saucisses. Du boudin comme dessert, des litres de ragoût, de quoi nourrir tout le village. Je remercie les anciens. Moi je pense que c'est la madame à qui t'as laissé les os. Elle a l'air gentille pour une brute. Oh, une chaise! Ah, il y en a là-bas aussi. Ah, on est d'accord que... Lui, il est balèze.
Oh, je vois rien. Je vois rien. Et il recharge. Il y avait une porte ici. Parce qu'il y avait une autre pièce. Ah oui, celle derrière la porte. Là. Donc pour l'instant, on a réussi à éviter les fracas. Quoi, des brindilles, sac à dos plein, on en a pas besoin. Il y a deux autres gugus. Je dis pas non, même si je vais me faire sauter dessus par des rats. C'est des toilettes. Ils mettent des toilettes en bas. Ouais, ça me vient. Waouh. Mon anneau qui me régène, il me sauve la vie. Mais j'ai plus de torches, moi. En effet, j'ai plus de torches. Sac à dos. Démanteler. Utiliser l'objet. Tu le manges. Oui, on a ramassé pas mal de choses. Hein. On va devoir rentrer à la maison. Pas sans une torche. Y'a rien. Dommage qu'on peut pas choper les espèces de bouteilles qu'il y a là en verre. D'ailleurs j'ai... Non, on s'est fabriqué du sel, pas du sable. Dommage, on pourrait trouver du sable et fabriquer du verre. Que des trucs qu'on peut pas choper. Ça me met vide, mais il y a de la ferraille dedans. C'est du faux vide, monsieur. Non. Oh. Debout. Là, ça me met dedans. J'aime pas les grenades, moi. Il m'a fait peur, lui. Ah, j'ai le voisin qui est en train de faire des travaux inopinés. Je vais couper le micro. Non, c'est bon, ça va. Bon, il nous en reste un, normalement. Ah non, lui, il fait plus mal, lui. Plus mal, lui. Il déconne pas, hein. Sa résistance. On chope beaucoup de ferraille, donc ça c'est vraiment utile. Regarde si j'en ai pas un autre qui est venu me démolir. Ha ha ha. Bientôt tous ces livres seront chez moi. Voilà. Alors il y a cette maison qu'on n'a pas visitée. C'est aussi de la... Ok, d'accord. Le mélange des deux. Ah, ça il nous en faut pour les potions de soins. Ouais, prends les fibres aussi si tu veux. Oh, on peut les casser celle-là. Je voudrais savoir faire le lit double, moi. Oui, c'est un sac à dos. Qu'est-ce qu'on pourrait abandonner? Genre de la terre. Un os. J'en ai éclaté un juste avec des grenades. Moi qui venais de dire à l'instant, on va pas les grenades. Il y a un truc là-bas.
En face de moi. Map. Qu'est-ce que c'est? Inconnu au bataillon chef. Ah. Dans leur grotte, il n'y a rien. Hein. Juste des livres que je vais piquer. Et où est l'entrée de la maison? Comment ça? Il y a encore quelqu'un? Ouais, il faut aller en haut. Peut-être quelqu'un en haut? Non. Peut-être quelqu'un en bas? Non. Sont bien belles toute votre maison. J'aimerais bien choper les briques là qui m'a dit le monsieur. Mais elles sont super loin, ça va être compliqué à voir. Une grenade. Unos grenadas. On a entendu le truc diabolique comme quoi il y avait quelqu'un. Ah ouais d'accord. Non mais ils sont deux, on n'a pas vraiment envie de rester là. On va s'éloigner un petit peu. Ah mais si on rentre là-dedans... Déjà je sais pas quel niveau est la brume. Il y a quoi ici? Histoire de taverne. Non, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a des trucs. Oh, putain. Il y a 12 000 bestiaux ici. Et en plus de ça, c'est la nuit. Oh, chemin! Une maison! Peut-être trouver un lit pour passer au lendemain? Monter pour se faire. Oui, parce que les lits qui sont là, ils ont comme qui dirait trop vieux. On pourra pas passer au lendemain ici. Ah zut alors. À moins que là dans le fond il y avait une porte. Non. Infecté en vue. C'est là-bas? Je vois plus rien dans le noir. Ouais, il a l'air d'avoir un truc, hein. Sac à dos plein. Ah non, il me faut les torches. Putain, je vais boire de l'eau. Je vais boire ça au cul. Bah. Ceci est un mur, vous pouvez rentrer chez vous. Merde. Très difficile à voir dans le noir. Hein. Ceci est un mur, vous pouvez rentrer chez vous.
Non, y a rien à faire ici. Où il y a des échafaudages. Suis dégoûtée que ce soit pas la journée, qu'on voit rien. Là-dessus pour aller sur l'échafaudage déjà. Ah. Excusez-moi. Non, lâche, faut que tu te régènes. Pas très rapide la régénération. Je sais pas ce que j'ai en plus et je sais pas ce que j'ai en moins avec buff d'élixir et élixir à la folie. Simplement pas assez d'énergie pour aller au haut. Bon bah là c'est un mur. On peut pas passer. On va essayer d'aller là du coup. On est venu jusqu'ici pour rien. Oh il y a des loups. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre? Vous ne mourrez pas. Ville chaud. Pas des loups, ça. Peut-être monter là-haut. Doucement. Ouah, t'es court, lui. Hein. Pas beaucoup d'énergie moi. Allez, trottine. Gentiment. Quand t'es du sol. J'ai envie de les ramasser. Il y a des loups. Esquive les loups. On a assez de cuir de... Oh putain, il y a d'autres loups. Bon, pour l'instant, c'est pas fait agresser. Il y a le repère des loups ici. Restons sur le chemin. Sommes en sécurité sur le chemin. Ah mais du coup on descend. Je vais essayer de monter moi. Quand abandonner de chasseresse? Un truc à abandonner. Je crois que j'en ai un dans mon inventaire, donc ça je peux le démanteler. Ouvrir. Ouais. Retourner dans l'inventaire. Démanteler. Ha! C'est pas ce que je voulais faire. Laisser la pourriture derrière soi. Enfin de l'air frais, pas lourd de l'odeur de pollen ou de la pourriture douce et écœurante. Ma tête tourne, je n'ai pas dormi depuis des jours, pas depuis que j'ai laissé mon fuseau dans les bois, envoûté au sommet de cette falaise. C'est si loin maintenant, mais je ne peux pas revenir en arrière. Je devais fuir, quelque chose de sinistre est enfoui dans ces fourrés. Se répand dans le sous-bois comme des racines, elle embrase et enchevêtre, serre et étouffe, scintille dans l'obscurité, entre les branches sous la peau. La toile soyeuse d'une araignée chasseuse à deux griffes. Les cauchemars de ce genre sont forgés par l'homme, je l'ai appris.
faire de la lumière. Est-ce que c'est cet endroit qu'on cherchait? Ou à moins que ce soit l'endroit là-bas. Ah mais non, c'était bien le camp des chasseresses. Hop là. Bon, on va retourner chez nous. Ça c'est le point de repère. Toujours pas fait d'une autre maison. Elle est où la fermière? On n'a même pas fini notre salle des coffres. D'ailleurs, ouais, dans notre sac à dos, est-ce qu'on a du bois de brume? Ferraille? Non. Baguette d'invocation. Ce mal du pays, même moi. Si vous pouviez me construire une pièce, je pourrais vous aider à faire en sorte que cet endroit ressemble un peu plus à la maison. Qu'en pensez-vous? Elle peut faire des popcorn. Plus 7 recharges en endurance pendant 5 minutes. Ouais. Une pépinière permet aux semis de germer dans un environnement sûr. Faut du sol agricole. J'en ai pas. Sol agricole. Ok, ça va. Du coup, on peut aller lui voir lui. Il manque une pierre. T'es sérieux, toi? Il te manque une pierre. Tiens, une pierre. Sac à dos plein. Je peux pas mettre de pierre dans mon sac à dos? Ah, il a pris de la terre. Bon, hop, 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 hop. Toi, jeté. Y'a pas de la pierre quelque part? De la terre. Voilà. La zone, elle se refait après, quand elle est pas dans le cercle. Donc toi, je peux déjà fabriquer ton séchoir. Va falloir que je mette moi-même dans le truc. Il y a une cuisse de poulet. Et qu'est-ce que tu peux fabriquer, toi? Des briques cuites. Il faut des bûches et du tas d'argile. Je vais pas te donner tout mon tas d'argile, déjà. Je sais même pas où il est. Je le vois même pas dans mon inventaire. Ah, si, il est là. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec... Waouh! C'est trop bien ces cheminées! Bah moi je voulais faire... un piquet. Ça va, je te donne mon argile. Et mes bûches. Tu fais de la lumière. Et toi, il te fallait un abri. Merde. Je vais la mettre en haut pour l'instant. Et on lui fera un abri plus tard.
peux rien mettre dans mes mains. Tu le fais, sang de flamme. Tu guéris les hautes pâtures, mais notre monde est vaste, crois-moi, je l'ai beaucoup parcouru. Vise la tour des anciens dans les bois envoûtés, cela ouvrira davantage notre monde. Nous sommes tous avec toi. Nouvel emplacement cartographié. Si vous pensez que nous sommes démunis, ne vous inquiétez pas. Avec mon fuseau, je pourrais nous fabriquer de meilleures armures et améliorer nos chances de survie. Je l'ai perdu durant ma fuite des bois envoûtés il y a longtemps. Pas loin de Westcott, quand je me suis arrêtée pour me reposer. N'attendez pas, je vous couvre. Capuche de tireur d'élite. Wow. Oh, moi je vais faire ça, hein. Donc la tête de monstruosité, on l'a, mais il nous faut des planches de bois. Et on sait pas faire les planches de bois, pour l'instant. Plus on débloque des trucs avec eux, et plus on peut faire de choses. Ok. Éclairage. Ah, c'est parce qu'ils ont attrapé des lucioles. Chandelier. See you later. See you later. Ben, toi aussi. Mais maintenant que t'as un abri, tu peux pas fabriquer grand chose en toi. J'ai des sols agricoles. Maintenant, il te faut des bûches. Sérieux. Tu veux des bûches? Je vais t'en donner des bûches. Il en faut 10. Il me semble. Ça se régénère moins vite, hein. Oh, en plus il me donne de... C'est bon. Les trucs de chasse avec les trucs de pépinerie. Ah ouais, tu veux de la fibre de plante? Attends, on peut naviguer. Ah, semi d'arbustes. Un semis qui deviendra une plante une fois plantée dans le bon sol. Ok, de champignons, tomates, fraises, buissons à baies, semis de lin, semis de maïs, de trucs, de bidules. On va faire de lin parce qu'il nous faut du lin. Ah non, il nous faut du lin et de l'eau. Eh, mais j'ai un lin. Et j'ai de l'eau. Mais j'ai trouvé qu'un seul lin, moi, donc je te donne tout ce que j'ai. Manque du sel. Bon, allez. Voilà, toi t'as une petite bougie, t'as une bougie, faudrait que je lui fasse un truc là. Un truc lambda là-bas. Je savais pas quoi lui mettre, du coup j'ai mis un truc au pire.
hop, voilà. Pour fabriquer quoi, le charbon? Des bûches. J'ai des bûches? Non, je les ai tous donnés. Combien d'assailles? On serait pas sûr, on en a peut-être là-dedans. Nine. Ah ouais, il y en a 51 ici. Tiens, cadeau. Ah oui, je l'ai mis tout en bas. Hop là. Bon ben voilà, ceci clôt l'épisode 15 de Enchanted. On a trouvé la chasseresse. On a même fait un petit coin de pépinerie. Une protection contre les éléments ferait vraiment du bien quand vous aurez la possibilité, je l'apprécie beaucoup. Contre les éléments. Bah déjà je vais trouver un autre truc ici, je vais faire une espèce de salle de bain. Enfin, quand j'aurai les ingrédients. Donc pour l'instant, on a notre petite plantation ici. Yo! Notre petite fermière. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous dans 3 jours pour la suite de notre Let's Play. Portez-vous bien !